أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلاة والسلام على عشرة في خلق الله محمد الفاطه لما أخلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي لصراتك المستقيم وعلى آل أخغدر ومقدار العظيم دي أبردان في الإسلام سي توجروا فوتر على حجب جابي كي أنتقاني بوفي فيديو Aujourd'hui, je voulais aussi m'adresser euh, sur euh, Kafi. Ka Kafi, comme beaucoup le savent, vous savez, Kafi, Ka c'était un nom divin de Allah. Kafi, Ka ça soulage dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de circonstances. Kafi, Ka c'est une clé pour l'ouverture. Celui qui maîtrise Kafi Ka peut faire beaucoup de miracles. Lorsque vous êtes en train de Kafi, les ennemis ont toujours peur de vous. Lorsque vous êtes en train de zicrer tout le monde vous voit comme une, une étoile dans le ciel. Lorsque vous zécrez Kafi, dans les moments difficiles, toujours il y a une solution ou il y a une réponse à votre prière. Celui qui zikre Kafi n'a jamais eu peur de ses ennemis. Et vous savez, comme on a l'habitude de le dire, les noms de Allah, c'est les noms cachés. Donc, peu de gens savent le secret. Aujourd'hui, je voulais vous m'adresser sur Kafi. Je voulais m'exprimer sur Kafi et l'importance de Kafi. C'est un secret de Kafi pour vous montrer certaines méthodes aussi de Kafi, comment il faut écrire Vous savez, Kafi, toujours, lorsque vous écrivez Kafi, le numéro qui correspond à Kafi, c'est 111. 111. Donc, euh, c'est 111-là est aussi un autre secret dans Kafi. Pour commencer, vous allez d'abord vous habituer à lire ba'da ous billah min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillah al-kafi wallahu yaqfi bismillah al-kafi wallahu yaqfi vous allez essayer de mémoriser ça ça c'est notre secret dans kafi mais avant de vous dévoiler ce secret je commence par ça d'abord vous allez vous habituer à ça, et je vais vous dire quand et dans quelles circonstances vous allez le utiliser. Bismillahi al kafi, wallahu yaqfi. Avant de rentrer dans une maison, vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la porte. Et l'ouverture de kafi de ce que je vais vous montrer, c'est ça la clé. Bismillahi. Al-Kafi. Wallahu Yakfi. Bismi Lahi Al. Kafi. Wallahu Yakfi. Lorsque vous allez prendre la décision que vous allez commencer à écrire Kafi, vous êtes dans une situation difficile. Il y a des ennemis autour de vous. Il y a des complots dans votre vie. Il y a des méchancetés dans votre travail. Toi-même, tu es un chef de famille. Il y a des complots dans ta famille. Les frères, les sœurs, les oncles, les grands-parents, vous êtes mariés. Dans votre mariage, la belle-mère, le beau-père, les cousins, les frères, la famille sont contre vous. Vous n'avez plus personne autour de vous. Vous n'avez personne sauf Allah. Et vous voulez vous mettre dans un système pour pouvoir prier, pour chasser les ennemis, pour déstabiliser les ennemis, pour faire fuir vos ennemis. Vous allez faire vos intentions. Allah, je vais commencer à Zikri Yakafi. À cause de ton nom, à cause du nom de ton prophète. À cause du nom de tous les prophètes que tu as envoyés, à cause de ceux qui t'ont adoré, ceux qui ont eu la crainte, ceux qui ont prié, ceux qui ont gêné, ceux qui ont dit la vérité à ton nom, accepte ma prière à cause de, au nom de tous ces gens-là. Allah, je suis dans une situation difficile. Allah, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Allah, je ne sais pas qui est en train de m'attaquer. Tout est bloqué autour de moi. À gauche, à droite, à haut, en bas. C'est comme si je suis assis sur le feu. Allah, montre-moi ta puissance. Allah, montre-moi que c'est toi qui es Kafi. Allah, montre-moi qu'avec Kafi, personne ne peut nous détruire. Vous allez commencer à stack à stack 100 fois allah salli Allah Muhammadin wa sallim 100 fois. Vous allez réciter maintenant Tawakaltu ala Allahi Tawakaltu ala Allahi Tawakaltu ala Allahi Tawakaltu ala Allahi Tawakaltu. Ala Allahi, tawakaltu. À la lahi, vous allez faire ça aussi 100 fois. Maintenant, pour commencer votre kafi, c'est une histoire de trois jours dans la semaine. a kafi, vous allez écrire Ya kafi, Ya kafi, Ya kafi, Ya kafi. 111 fois pour les débutants. Pour ceux qui veulent faire encore plus, vous pouvez faire 1111 fois. Pour ceux qui sont vraiment les doyens dans le zikr, vous pouvez faire aussi 1200 fois. Ou, excusez-moi, 12 000 fois. Donc maintenant, premier chiffre 111, deuxième 1111, troisième 12 000. Pour ceux qui savent écrire. lorsque vous commencez par 111, vous devez terminer par 111. Lorsque vous allez commencer par 12 000, vous allez toujours commencer et euh, continuer par 12 000. Vous allez commencer à s'écrire Ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi. Pour le premier jour, lorsque vous allez finir de lire Ya kafi, si c'est 111 fois, vous devez aussi réciter l'aya du courant alayissa lahu Bikafin Abdahu. Aleisa. Lahu. bikafin Abdahu. Aleisa. Lahu. Bi. kafin Abdahu. Aleïsa. Lahu. Bi. Kafin. Abdahu. Ça c'est pour le premier jour. Et lorsque vous allez commencer à zikrer tout ce que je viens de citer, est complété par alayhi bika abdahu, 111 fois, c'est fini pour ce jour-là. Pour deuxième jour, vous allez commencer aussi la même chose, à part ce qui est là-haut. Vous allez commencer par Deuxième jour, vous allez réciter Fassayak fi kahum. Fassayak fi kahumullahu. Fa yak fi ka -hum Fa sayak. fi -hum lahu. Fa sayak. fi -hum lahu. Donc vous allez réciter ça aussi 111 fois pour deuxième jour. Vous, si vous cherchez les ayahs que je viens de citer, premier ayah, ça est dans Surah Deuxième ayah, ça est dans surat Bakra. Et il 137. Maintenant, ça c'est pour deuxième jour. Pour troisième jour, vous allez écrire, même chose que je viens de le dire, pour le troisième jour, mais là, il y a le troisième jour, vous allez citer, Inna Kafa'inaka al Inna Kafa'inaka al Inna kafainaka almustahazi Inna kafainaka al Ça c'est dans surato Rouge 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 numéro euh, five. Donc, maintenant, ça maintenant ça c'est pour les trois jours. Mais voyez-vous maintenant, vous avez zikré tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Et je vous ai bien dit que ça, c'est une clé. Et lorsque vous vous trouvez dans une situation, vous êtes embrouillé, le cœur commence à battre. Vous avez la paix dans le ventre. Vous allez commencer à zikré maintenant. Répétez. Bismillah il kafi. Wallahu il Bismillah il kafi. Wallahu yaqfi. Ce que vous avez fait comme prière. là, vous allez retrouver les bénéfices automatiquement sur vous. Lorsque vous allez commencer à envoyer à Ali, Bismillah il Wallahu yakfi, Bismillah il Wallahu yakfi. Allah vous envoie cette instabilité. C'est comme si c'était une glace qui a été versée sur vous. Les choses commencent à être calmes autour de vous. Par Bismillah il Kafi, wallahu il Kafi, Bismillah il Kafi, wallahu il Dans n'importe quelle circonstance, que ce soit à la justice, devant la police, vous vous trouvez devant quelqu'un que vous avez trop peur. Récitez seulement Bismillah il Kafi, Wallah il Kafi, Bismillah il Kafi, wallahu il la personne sera stabilisée. Maintenant, pour les gens qui veulent aller au niveau des NGV, les gens qui vont monter sur le, euh, le niveau ngv veut dire quoi le nom grande vitesse café que vous voyez là je vous ai bien dit que ça fait 111 lorsque vous allez le multiplier par 11 ça vous donne 1221 lorsque vous trouvez 1221 qui vous donne Akrachun. Akrachun. donc maintenant pour zikler maintenant supplémentaire vous allez ajouter au ou Allahu akrashoun, Allahu akrashoun, c'est comme vous allez, vous êtes en train de réciter, Ya Kafi, Ya Kafi 111 fois au même moment. Mais pour ceux aussi qui veulent taper encore fort, Kafi 111 multiplié par 22, ça vous donne 2442. Et lorsque vous allez essayer de prendre les cheveux de ça, ça vous donne Allahou Bam Ta Allahou Allahu. Bam ta cha Allahu bam ta C'est comme vous êtes en train de réciter Ya Kafi 22 fois au même moment. Mais ça, c'est au niveau supérieur. Il y a des gens aussi qui travaillent Ya Kafi comme une bague. Ces gens de bagues en argent blanc, c'est aussi efficace. Ou ceux aussi qui ont la connaissance, ils savent comment il faut l'utiliser Ça protège. Donc, c'est ce que je voulais vraiment m'exprimer aujourd'hui. Euh, pour tous ceux qui vont l'utiliser, qu'Allah met le baraka, qu'Allah accepte aussi nos carèmes, qu'Allah nous donne la paix, que qu'Allah éloigne nos ennemis, qu'Allah fasse que on puisse avoir le vrai bonheur. Le vrai bonheur, ce n'est pas l'argent. Le vrai bonheur, c'est d'avoir la paix dans ta famille, tes enfants puissent t'aimer à ta juste valeur. La famille puisse t'accepter, tu puisses vraiment te promener sans avoir crainte de quelqu'un. Tu n'es pas peur de ta femme, la femme n'a pas peur de son mari. Personne n'a peur de l'autre sauf Allah. C'est ce qu'on appelle la paix et le vrai bonheur aussi. Pour certaines personnes, c'est l'argent. On doit le dire. Le bonheur sans l'argent, c'est incomplet. Que Allah nous donne la richesse. لا richesse qui va nous في <applause> الله، الهاجي بن عليكم، ورحمة الله تعالى، وبركاته، رمضان كريم. الله يتقبل رمضاننا، ويؤسس لنا في أرزاقنا، ويبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، وجميع ما نحمله إن شاء الله. ببركة المصطفى، سيد الكريم، السلام